Je m'en vais pêcher au club du lac Mousquaro. Je vais avoir un guide privé qui va me guider pendant 3 jours. Et ça, pour faire le défi de Tao. Tu sais, Tao, là, c'est pas le poulet, le général Tao. C'est les initiales, là. Tu sais, t'as truite pour T, A pour article cœur de lac, de haut pour Wananish. Bon, j'ai roulé toute la nuit. Là, présentement, on est à Natashquan. J'arrive pour prendre le petit hydravion. On s'en va au Mousquaro? Moi, je peux conduire, là. Y a aucun problème avec ça, là. M'énerve pas, moi, ça, conduire ça, là. Je suis vraiment pas stressé non plus d'être en hydravion. Alors... Ce fut un vol magnifique. Vraiment. C'est là qu'on prend conscience que notre Québec est grand et beau. Là, on arrive, hein, les bagages, et puis on va aller s'installer dans les chalets, puis il va nous rester juste à pêcher. Yep! Yep! Ça n'a pas été long pour ça. Mettons qu'on est dans un endroit exceptionnel pour l'essayer. Une belle mouchetée pour ça. Yeah! Voilà. C'est pas possible. Regarde-moi ça, la belle grande mouchetée qu'on a là. Et... Merci. Oh, merde! Elle a cassé ma mouche. J'ai envoyé ma mouche. Je me l'ai fait arracher. Ouh là 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 là! Oh non! Ah! Oh. Ah! Hey, as-tu vu, as-tu ça, vu la mouchetée? Une belle mouchetée pour ça. Ça, c'est une des plus belles trucs que j'ai pris. C'est une très bonne bataille, ça. Là, je le remets à l'eau, dis pas ça à personne. Là. J'ai déjà vu quelque chose comme ça avant. Ça, c'est beau, ça. Oh, c'est beau, ça. Oh! Que je viens de frapper mon poisson, là. Et voilà! Ouh! Ah, wow! 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 Réveillez-moi, caca! Wow! C'est super! Hey, merci, rapide du Doteuil. Je vais me souvenir de ça toute ma vie. Des Wananish sans arrêt avec des bumbers à saumon. Là, c'est parti. On s'en va au fur lunch. Bon, super fur lunch. On est en mode Arctic Char cet après-midi, moi et Simon. On va essayer de réaliser ce défi-là. Je pense que c'est très réalisable. Mais là, on va pêcher avec des soies calantes, puis on va se reposer. On va faire de la traîne.
Là, je vais essayer d'attraper un Arctic Char. Si on réussit, le défi Théo sera fait. Une petite pêche reposante, là. Hein? Il appelle ça du sleep fishing. Quand tu t'es comme ça, là, puis man... Bon, je viens de réaliser le défi. Mon premier Arctic Char. Il est beau, hein? Je n'avais jamais vu. C'est... C'est fait bizarre, tu sais. Tu te demandes jusqu'à la tête. OK. Là, maintenant, j'ai rajouté 10 pieds calants de plus sur la soie que j'avais dans l'eau petite baie. Et j'ai une mouche qui s'appelle la Magog Smelt, mais en une version tube. Parce que le char mange de l'éperlan. Donc ça, c'est une des meilleures mouches imitation éperlan. Arctic Char, ligne 1, s'il vous plaît. Arctic Char, ligne 1. Selon ton degré d'endormitoire, ça doit se dire en dormitoire, je crois quoi. C'est comme tu donnes des petits coups, comme ça, pour faire avancer le perlan vers la droite. Selon ton degré d'endormitoire, tu peux en donner juste un. T'sais. Si tu dors profondément, t'en donnes pas pantoute. Ça fait pareil. Cette sensation extrême de passer du mode endormi à rien que d'écrire le sleep fishing. Whoop, j'ai eu un poisson. C'est sérieux. Hey, c'est un char. Ouais, c'est un char. C'est un char, pingé. Le défi est accompli, mesdames et messieurs. Ça se peut-tu? Hein, on a mis un majuscule. Regardez-moi ça, ce beau poisson-là. J'ai donc réussi le défi d'en haut. C'est assez incroyable, ça, le Mouscoirou. C'est comme un rêve. Surtout, réveillez-moi pas.